Hello, on sort aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme chaque lundi je vais vous faire un petit retour d'achat etc. Et cette fois-ci ce sera pas juste une présentation de produits, ce sera un haul spécial mastication que j'ai passé chez Zooplus. Donc je me suis rendu compte la dernière fois que j'ai passé commande de mastication que les loulous en avaient vachement besoin. À ce moment-là, j'ai beaucoup de petites friandises de récompense, des petites friandises qui se mangent comme ça en petits bouchées, tac tac, un petit truc à mettre aussi dans les jeux d'intelligence, dans les jeux d'occupation, etc. Mais j'avais pas réellement de jouets de longue mastication au justement au moment où il fait pas beau, au moment où moi je suis malade et je peux pas les sortir, au moment où voilà, il y a une espèce de trêve à cause de... Plein d'aléas de la vie qui fait que pendant un temps bah, je sens qu'ils ont une certaine frustration, qu'ils sont un petit peu excités ou qu'ils s'ennuient et qu'ils sont un petit peu chiants dans le sens où ils sont assez demandeurs mais j'arrive pas à les satisfaire moi-même en leur proposant certaines choses que bah, la mastication parfois ça leur fait beaucoup de bien et je pense que c'est une chose qu'on commence à revoir depuis quelques années mais dont on n'avait pas forcément pleinement conscience que la mastication était importante et cette fois-ci j'ai essayé donc de faire un haul vraiment spécial purement mastication en essayant aussi de découvrir un petit peu des nouveaux produits donc j'ai presque failli passer commande sur une autre box que bah, peut-être que quand ça le stock, déjà le beau stock sera fini, peut-être qu'on envisagera après. Mais voilà, la chose faite, j'ai passé commande chez Zooplus, chez qui bah, c'est un petit peu l'habitude, et que les produits sont quand même assez abordables avec des marques que je connais depuis déjà des années. Qu'est-ce que j'ai eu de spécial au niveau de ça? Je crois que j'ai eu un code promo, mais je ne suis plus sûre. Je sais plus, si jamais je vous mettrai en fonction, pareil tous les prix je les afficherai là parce que je les ai pas forcément en tête au moment où je les ai achetés, ça fait déjà un moment, puis il y a pas mal de produits donc c'est un petit peu flou. Puis pareil je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, donc je vous montre ça tout de suite. Donc la première chose que j'ai commandé c'est ceci, donc de la marque Phil & Sons, donc des Dog Snack Meat Stick. Donc celui-là en fait j'en avais deux, il y en a déjà un que mon chéri a récupéré, mais au niveau visuel c'est exactement la même chose. Je dis c'est bon tu peux récupérer le paquet parce que ça ne va rien changer que je leur monte un paquet qui est juste exactement pareil, sauf qu'il y en a un qui est au bœuf et l'autre qui était au canard. Donc il y a 5 fois 24 grammes, donc il y a 120 grammes de friandises à l'intérieur. On a donc aliment complémentaire pour chien adulte bâtonné de viande de bœuf avec une composition à 98% de viande de bœuf et 2% de collagène. Donc le collagène, je pense que voilà, pour vous montrer les petits bâtons, je pense que c'est tout simplement la peau qui enrobe autour de la viande, un petit peu comme vous verriez la peau autour d'un saucisson ou un peu d'une saucisse, un peu dans le délire. C'est un peu ce principe-là, le collagène, c'est juste en fait le contenant pour que bah, la pâte se tienne correctement. Donc voilà, ce sont des bâtonnets qui sont comme ça, qui sont quand même assez gros, c'est un peu gros comme mon pouce. Donc j'en avais donc au bœuf et au canard. Alors ensuite, je préfère prévenir pour ceux qui sont un petit peu sensibles un petit peu à la cause, enfin au type, pas la cause animale, mais ça veut pas dire que je n'y suis pas sensible, mais voilà, ceux qui sont un peu vegan, un petit peu voyez un petit peu le délire. J'ai voulu tester pour la première fois un produit, mais c'est vite un petit peu le côté un peu trop, comment dire, focus du côté de dire ah mais ça semble trop réel, bah, parce que ce que je donne à côté quand c'est pas assez réel, vous allez comprendre. Donc tout simplement j'ai pris donc de la marque Wolf of Wilderness, une marque que je connais depuis quelques années, surtout au niveau pâté, friandises et croquettes. Cette fois-ci j'ai voulu tester une friandise en particulier parce que ça fait pas mal de temps que je vois des friandises à base de poils. Donc en fait la friandise qui a été tout simplement, en fait c'est un morceau qui a été tranché où il y a encore les poils. Alors il y a certaines choses que je ne suis pas encore capable de franchir, notamment tout ce qui est à base de gibier. J'ai vu des gens qui donnent des pattes de biche entières, ça vaut... C'est un cap que je suis pas capable de franchir. Et au niveau de l'apport, moi je cherchais plutôt de type oreille. Mais tout ce qui était type oreille, c'est qu'il n'y a pas grand choix. Et notamment, souvent les gens donnent des oreilles, c'est à base d'oreilles de lapin. Et moi, comment te dire que le lapin, pour moi, c'est un animal de compagnie. Alors, il y a certains qui sont de l'antispécisme, etc. Je sais, je peux comprendre exactement ce que vous voulez dire. Mais bon, moi, mes chiens, il faut quand même que je leur donne des choses. Mais le lapin, je suis pas capable. Le lapin, j'en ai eu en animal de compagnie. Et moi, c'est quelque chose qui est banni de la maison. Mes chiens, étant au barf, ils n'en mangent pas. Nous n'en mangeons pas, nous n'en consommons pas. Je suis complètement contre la cuniculture parce que c'est encore un mode d'élevage qui est complètement atroce. Bref. Je ne peux tout simplement pas donner de lapin et c'était compliqué parce que chercher des produits à base de poils qui ne soient ni du biche ni du lapin, oui je protège Bambi et Pampan, je te raconte. C'était pas beaucoup, c'était pas facile à trouver, mais j'ai quand même réussi à trouver chez Wolf of Wilderness 3 pièces donc à base de poils et ce sont tout simplement directement des oreilles de bœuf qui ont tout simplement été tranchées et séchées. Donc oui, ça fait très bizarre parce que là, moi qui est en état d'esprit qui fait que je me mens à moi-même, ça j'en ai très bien conscience. Bah là en fait tu le vois, t'as même le... Je viens de me rendre compte, c'est quand même bien dégueulasse, mais t'as encore le trou dans l'oreille de là où était l'étiquette du bœuf.
je vous dis, c'est pas pour moi que je le fais, c'est vraiment parce que mes chiens ont besoin, un besoin, ce sont, mes chiens sont des carnivores, ils ont un besoin de mastication et que c'est pour leur apporter leurs besoins, mais croyez pas que ça me fait plaisir d'avoir ça entre les mains, c'est quelque chose qui... C'est très particulier, quoi. Tu vois vraiment tous les détails. C'est vraiment la différence entre une oreille séchée et une oreille poilue. Je ne me rendais pas compte à quel point c'était. Tu vois la vache là. C'est assez perturbant. Je ne vais pas plus détailler que ça parce que je crois que sinon ça va me monter. Mais voilà, pour mes chiens, je voulais pouvoir leur proposer quelque chose un petit peu différent qui rentre dans le cadre. Voilà, c'est des choses qu'il faut respecter. Si tu ne veux pas donner de viande à ton chien ou si tu ne veux pas lui apporter des choses à ses besoins, n'en prends pas. Si c'est pour rendre ton chien vegan ou pour rendre ton chien à ne pas lui apporter ses besoins parce que tu veux le rendre comme toi, n'en prends pas en fait. C'est juste déjà, de toute façon, à la base, on m'avait dit que les personnes qui étaient vegan, c'est contre toute exploitation animale. Donc normalement, même les chiens, tu n'es pas censé en avoir parce que c'est une sorte d'exploitation de l'obliger d'être ton animal de compagnie. Voilà. Donc, mais voilà, moi, faut que je veux respecter les besoins de mes chiens. Peut-être qu'ils vont pas kiffer, mais dans leur vie, je pense que bah, il faut qu'ils aient l'occasion de tester et puis bah, que je la donne séchée sans poil ou avec poil. Sinon, si je dis qu'il y a une différence entre les deux, ce sera un petit peu faux cul. Bref, long discours, mais ça en valait le coup. Pour la première fois que je teste ce genre de produit, c'est vraiment très particulier, mais bon voilà, comme ça la composition c'est 100% bœuf. Ensuite, autre chose, bon bah ça c'est du poulet, mais forcément comme tu vois pas la tête du poulet ou quoi que ce soit, tout de suite ça te paraît moins bizarre. Oui, voilà, mais c'est un peu faux cul. Donc j'ai pris, alors ça c'est moins dans la mastication, c'est plus pour le truc un petit peu plus rapide, mais qui est pas non plus la friandise que tu donnes en one shot, de la marque Rocco. Donc c'est les Rocco Chinks, ce sont tout simplement des petits filets de poulet. J'avais quand même envie d'en prendre parce que c'est quand même assez sympa comme type. J'aime bien leur donner genre en dessert après ou alors quand, juste avant de partir au boulot, parce que je sais que c'est ce genre de truc, je suis pas obligée d'attendre qu'il l'ait fini, il s'étouffe pas spécialement avec ça. On ne jamais dire jamais, mais bon, en théorie, j'ai pas de problème. Donc, soit c'est un paquet de 75 grammes, donc on a 93% de blanc de poulet avec du sous-produit d'origine végétale. Donc, je pense que ça, c'est tout ce qui est la substance qui va venir un petit peu l'enduire autour. Je pense que c'est histoire que ça puisse un peu quand même se préserver et pas se périmer en 2 secondes et demie. Donc, 100%, ouais, enfin quasiment 100% de viande de poulet. Donc voilà. Ensuite, ça c'est cool parce que ça semble refermable et ça je sens que ça va avoir une odeur terrible. Alors si je me trompe pas, parce que j'ai pas du tout fait la traduction, on va essayer de s'en rappeler, je crois que c'est du cygne de bœuf. De toute façon, certaines me corrigeront, ceux qui ont plus l'habitude de ça. Donc normalement c'est 100% bœuf, mais comme c'est marqué en allemand, je maîtrise pas. Non, c'est 100% porc. Alors c'est lesquels ceux-là ? Je m'en rappelle plus. Bref, en tout cas il y a 60 grammes avec plein de sticks dedans, mais je pensais que c'était le cygne. Alors c'est quoi le cygne ? C'était autre chose alors ? Enfin, ça doit être... Non, ça c'est du nerf, ou c'est des nerfs, je sais plus. J'ai oublié. Bref, en tout cas, ça fait des sticks de porc comme ça à manger. Alors ça, c'est quand même sous surveillance, parce que le porc a tendance à quand même beaucoup faire du chewing-gum. Alors oui, c'est naturel, c'est pas les os de bœuf que tu trouves dans le commerce, mais ça reste quand même dangereux, donc sous haute surveillance, parce que notamment sur les fast-pads, quand on commence à beaucoup baver, ça peut être dangereux. Je le répéterai jamais en assez, c'est pas parce que c'est naturel que ce n'est pas dangereux. Toujours à donner sous surveillance. Et en fonction des chiens, ben, on continue à en donner ou pas. Mais ouais, j'ai pas ingrédients. Je sais pas, à mon avis, ouais, c'est que du porc en fait. Ah oui, je vois intestin de porc. Intestin de porc séché. Il y a une petite phrase en anglais, ça m'a aidé, youpi. Voilà, et toujours de la marque Doxnager, c'est la moins chère de tout ce qu'il y a sur Zooplus. Et il y a énormément de choix, vous pouvez faire énormément de stocks pour très peu cher. Franchement, pour tout le compte que je vais vous montrer après, j'en ai pour 53€, donc c'est pas non plus la ruine. Donc si vous voulez faire du stock, il y a pas mal de choses sur Zooplus. Ensuite, j'avais déjà montré ça sur Raoul et je n'y ai pas été de main morte. J'ai au total 25 pattes de poulet séchées, parce que j'ai pris 5 paquets, c'était un lot de 5 que tu pouvais prendre directement. Donc encore une fois, c'est de la marque Doxnager, donc à chaque fois il y a toujours 5 paquets de poulet, donc forcément le poids varie d'environ 75 grammes, mais ça dépendra du nombre qu'il y a dedans. Mais c'est 100% pâte de poulet séchée, et ce que j'apprécie, c'est qu'en plus elles ont été dégriffées, parce que j'ai toujours peur que mes chiens ils se fassent piquer l'estomac par les griffes de pâte de poulet. Mais voilà, donc ça c'est à donner, mais moi je fais quand même attention de ne pas trop en donner non plus, parce que mes chiens étant déjà au barf et mangeant déjà du coup de poulet, ayant déjà un apport en os, il faudrait pas que ça donne un réapport. Mais ça par contre ça peut être cool, c'est quand je suis en manque d'os à certains moments, c'est de compléter ça en fin de repas pour, voilà, pour les moments où j'ai plus du tout d'os. Voilà, petit tips. Donc voilà, 5 paquets de 5 pattes de poulet, donc 25 pattes de poulet. Je suis forte en maths, hein. Ensuite, on retourne de la marque Rocco. Souvent, de toute façon, quand je prends sur, à part exception, avec par exemple Wolf of Wilderness, c'est que généralement, tout ce qui est produit séché de chez Zooplus, j'alterne entre Doxnager et Rocco. D'ailleurs, si jamais vous voulez prendre
le calendrier de l'Avent Rocco, il est pas mal. Par contre, qu'est-ce qu'il pue. Enfin, heureusement, chaque truc est fermé en sachet individuel, parce que sinon, ce serait juste à tomber dans les pommes tellement ça sent fort. Faites quand même attention, parce qu'il y a des pots de bœuf qui, sur certains chiens, ça peut s'étouffer. Donc, toujours sous de surveillance. Bref, pour en venir à celui-là, j'ai pris un 100% Pizzol. Je ne sais pas. 5 trucs à mâcher, donc celui-là, c'était lequel? Nerf de bœuf. Donc ça, c'était nerf de bœuf, 100% nerf de bœuf. Mais je disais, j'ai pris du signé, je ne sais plus si c'est celui-là ou si c'est un autre. Je ne sais plus. On verra ça. En tout cas, en plus, les dates, l'avantage du truc, c'est que ça va super loin. Genre là, ça va jusqu'au 31 mai 2024. Donc tu peux faire du stock. Tu stockes dans un coin, ça va pas s'abîmer tout de suite, surtout tant que c'est pas ouvert. Ensuite, on continue avec la marque Rocco, et encore sur des oreilles de bœuf. Alors oui, je suis beaucoup plus, depuis des années que j'ai testé sur Zooplus, je suis beaucoup, beaucoup plus partisane des oreilles de bœuf que des oreilles de porc. Alors non pas que j'ai préférence pour les petits cochons, même si j'adore les petits cochons. C'est juste que au niveau mastication et côté très molle et qui s'étouffe derrière, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de problèmes. C'est quasiment pas systématique avec les oreilles de bœuf, alors que quand j'étais les oreilles de porc, ça finissait en chewing-gum, il s'étouffait, fallait aller chercher ça au fond de la gorge à chaque fois. C'était infernal, c'était à chaque fois. Donc, pour la petite aparté, pourquoi j'ai tendance à favoriser les oreilles de bœuf qu'on trouve chez la marque Rocco. Donc là, j'en ai deux différents. Vous allez voir au niveau de la couleur que c'est pas les mêmes. Tout simplement parce que pour la première fois, je vais tester. Donc ça, j'en ai déjà pris plusieurs fois. Dans la dernière commande, il y en avait même eu. Il y en a 10 au total. Et c'est juste séché, il n'y a rien de spécial. En revanche, ceux-là sont rouges, pareil, il y en a 10 à l'intérieur, mais ils ont été fumés. Alors à mon avis, quand je vais les ouvrir, par contre, ceux-là, ça va coinquer un petit peu du bec. Voilà, donc là, j'ai la version fumée. Donc on va tester un petit peu tout ça, et ça, je sais que c'est le top du top pour les miens, pour mastiquer. Mais encore une fois, faites très attention au niveau des faces plates qui ont tendance à paver avec ce genre de choses, parce que ça finit vite en chewing-gum. D'ailleurs, à l'occasion, il faudra que je puisse acheter quelques jouets et trouver quelques produits dans lesquels vous pouvez coincer vos friandises, histoire que votre chien ne l'avale pas d'un seul coup, comme ça peut arriver avec certaines races et comme nous, on le rencontre beaucoup avec notre bulldog. Donc ensuite, le dernier produit qui n'a rien à voir avec la mastication, mais que je vous avais déjà montré dans un dernier haul justement de Zooplus, j'ai repris ce produit qui coûte quand même assez cher, mais qui est un bon complément pour moi pour pouvoir gérer mon barf. Tout simplement, et toute la poudre qui s'est mise en façade, hein, c'est pas très ragoûtant. Je vais vous montrer l'autre côté, donc genre secoue tout ça. Tout simplement j'ai repris 1 kg, bah, quand même, c'est quand même 13 euros le kilo, c'est pas rien, mais de légumes et fruits déshydratés, parce que c'est beaucoup plus simple pour moi à gérer comme ça que les purées de fruits. Dans mon congélo, j'ai plus assez de place, et puis souvent j'ai tendance à en perdre, à pas trouver assez de fruits et légumes, et là je vous dirais que la gestion de pouvoir broyer ça, de pouvoir gérer ça dans des cubes, et chiant. Donc j'étais satisfaite la dernière fois, donc j'en ai repris. En plus, l'avantage c'est que moi je peux en donner aussi à mes autres nacs. Donc ça m'est déjà arrivé quand j'avais encore mes escargots, mais là j'ai changé d'espèce, si vous n'êtes pas au courant parce que vous ne suivez pas sur les réseaux. Je suis passée d'une famille d'escargots que je nourrissais avec ça, c'était trop pratique aussi, à une petite mille pattes, Milly, qui nous a rejoint depuis quelques temps. Si jamais j'ai des images, je vous en rajouterai. Mais comme c'est pas vraiment le sujet, c'est juste que bah, pour vous en parler, c'est un peu l'occasion, c'est que je pourrais certainement lui en donner un petit peu de temps en temps, parce que tout ce qui est déshydraté, c'est cool parce que c'est beaucoup plus facile à conserver. Donc j'ai repris un petit kilo de ça. Donc voilà pour mon haul sur Zooplus. Je n'ai pas pris tant de choses que ça, parce que tout simplement j'ai un très beau calendrier de l'Avent qu'il faut d'ailleurs que je présente dans une prochaine vidéo. Vous aurez peut-être, par exemple, vous l'avez peut-être, je vous la mettrai peut-être forcément qu'au moment de Noël, même si ce sera l'édition 2022 que je vous montrerai en 2023, mais bref. J'ai repris le calendrier de l'Avent de chez Cani Gourmand, qui est plein aussi de produits séchés. J'ai un petit peu lu la liste de ce qu'il y avait dans ce calendrier, et je sais notamment qu'il y a des choses que je n'ai pas ratées sur Zooplus parce que je vais les retrouver dans ce calendrier. Donc pour éviter les doublons, etc., je les ai pas pris. J'ai failli prendre du groin de porc, et finalement ça faisait quand même un petit peu cher. Et puis je sais pas, j'ai eu un bug avec ma commande. À un moment donné, ils me font, on ne peut pas vous envoyer votre commande, elle fait plus de 30 kilos. Ah, je sais pas à quel moment, parce que je crois que j'ai retiré 2-3 produits, mais genre des produits, c'était des petits sticks ou des petites bouchées de friandises ou des groins de porc. J'étais normal. Mais en fait, j'en prends pas en relais ou je me le fais livrer, parce que je me suis dit, mais le mec il arrive avec quelle taille si ça fait 30 kilos? Enfin, 30 kilos, vous vous rendez compte quand même. Je me suis dit, mais généralement quand les produits séchés c'est volumineux, mais c'est quand même très léger. Je n'ai pas compris leur problème. Bref, ça voulait pas passer en point relais juste à cause de ça. Puisque maintenant, apparemment, Zooplus sont rajoutés. Qu'est-ce qu'ils ont mis? GLS, que je refuse à chaque fois parce que j'ai eu que des problèmes. Je sais que ça dépend de chaque région, etc. Chronopost, moi à chaque fois ça se passe trop bien. Enfin, c'est DPD Chronopost, pour moi c'est un micmac qui passe l'un chez l'autre. Relais Chronopost ou Relais Mondial Relais.
voilà, il y a des petites nouveautés qui se passent comme ça, qui sont plus ou moins bien, quand il n'y a pas un bug qui te dit, je sais pas si c'est sur leur fiche informatique où il y a une erreur au niveau du zéro ou de la virgule qu'ils ont mis, mais ils m'ont fait, non, on peut pas vous l'envoyer en port-relais, ça fait plus de 30 kilos. Non, non. Je vous promets que sinon je le tiendrai pas comme ça à bout de bras aussi facilement. Quoi. Je sais que je bosse un petit peu dans des trucs où il faut que je porte du lourd, j'ai un petit peu plus de muscle que la moyenne. Faut pas me vanter. Mais voilà, c'est. Même le carton, il serait un peu compact. Hein. Les seuls trucs que j'ai vus aussi lourds et aussi compacts, ce sont des sacs de ciment. C'est pour te faire la comparaison, hein. C'est absolument pas le cas. Bref, en tout cas, voilà pour mon Ozo Plus. Si vous avez des boutiques à me recommander au niveau mastication, ce que vous donnez en particulier, ce que vous me conseillez de tester avec mes chiens, etc., on pourra en parler justement des avis pour ou contre et des soucis qu'on a rencontrés ou des avantages qu'on a rencontrés avec certaines autres friandises. Cette fois-ci, j'ai pas pris de poisson parce que le poisson, j'en ai ras la casquette au niveau du stockage, donc j'en ai pas repris pour le coup non plus. Donc en tout cas, j'espère voilà, que cette vidéo sur mon petit haul spécial mastication vous Ozo Plus. Donc j'espère que cette vidéo spéciale mastication de chez Zoo Plus vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, surtout à vous abonner. Et moi je dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.